Chérie, cela fait 3 mois déjà que nous dormions à l'hôtel, depuis qu'on est arrivé dans ce pays. Je commence sincèrement à être découragée par rapport à notre recherche de logement. Très chère femme, tu n'as pas à te décourager. J'irai voir les services qui s'occupent de nos logements d'ici là, afin de pouvoir relancer notre demande de logement. D'accord Florentin. Dis-leur vraiment que nous sommes à bout de souffle. Et que nous ne pouvons pas continuer à dormir, d'hôtel en hôtel comme cela. D'accord ma femme, je ferai le nécessaire auprès d'eux, afin qu'ils puissent nous trouver assez rapidement un logement. D'accord mon homme. Comme je vous le disais, voilà un peu ce que je traverse en ce moment avec ma femme. Nous n'avons pas encore trouvé un logement depuis que nous sommes arrivés dans ce pays. Je comprends tout à fait votre situation. Ça ne doit pas être du tout facile pour vous de travailler toute la journée, et de vous retrouver le soir à l'hôtel? Pas du tout, madame. C'est tellement compliqué de se retrouver à l'hôtel, après une dure journée de travail. J'imagine bien, monsieur. Je vais peut-être aller voir dans mes dossiers, sur l'ordinateur, s'il n'y avait pas un logement de disponible pour vous. Ok, d'accord, madame. Cela nous fera tellement plaisir. Si vous arrivez à nous trouver un logement. D'accord, monsieur Florentin. Pour l'instant, je vous promets rien, mais je m'en vais voir quand même. D'accord, madame. Tiens, je vais leur proposer cela. Cette maison a été libérée, il y a même pas 3 jours. Pas mal cette maison. Je pense qu'ils seront très contents de l'offre que je vais leur proposer. Allez, c'est parti. J'espère bien que mon mari réussira à trouver quelque chose aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'était un psychiatre qui traitait des patients dans cette maison. Et elle a été libérée, il y a seulement quelques jours de cela. Êtes-vous prêt à le prendre? Oh, merci beaucoup pour cette très belle annonce. Ça sera avec grand plaisir, madame. Ma femme sera très contente d'apprendre cela aujourd'hui. Parfait, dans les prochains jours, je vous inviterai à visiter cette maison alors. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Oui, je n'ai même pas de doute, je sais vraiment qu'elle va nous plaire. Parfait, monsieur Florentin. Parfait, madame. Voilà un peu la nouvelle que j'avais à t'annoncer. Toi et moi, nous allons pouvoir aménager ensemble d'ici quelques jours. Oh, super mon homme, cela me fait tellement plaisir d'entendre cela venant de ta part. Je suis tellement heureuse de pouvoir reprendre une vie normale avec toi. Tu m'étonnes, ma femme. Alors ma chérie, comment as-tu trouvé la maison? Franchement, elle est tellement spacieuse et belle. Je remercie vraiment le ciel de nous avoir donné cette maison. D'accord ma femme. Tu parles de quelle maison madame? Nous allons te rendre folle, et tu ne vas jamais oublier. Cela fait des années déjà que nous habitons dans cette maison, et que nous rendons les gens fous. Je vous le promets que vous ne sortirez pas d'ici comme vous étiez venu au départ. Qui vous avait même dit de venir habiter dans notre demeure? Vous allez comprendre ça tout de suite maintenant. Allez, c'est parti. Mais d'où venait ce bruit, chérie? Sincèrement, je ne sais absolument pas. Ce n'est pas peut-être les vaches qui font du bruit dehors? Oui, c'est possible. Bon allez, je m'en vais vite fait aux toilettes, et je reviens. D'accord ma femme, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Mais d'où vient ce bruit à l'instant? Tu dois rapidement sortir d'ici, sinon je te rendrai fou dans cette maison. Ne sais-tu pas que c'était nous qui rendrons fous les gens qui habitaient dans cette maison auparavant? Mais qui me parle au juste?
Pourquoi j'entends cette voix dans mes oreilles ? Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans cette maison ? Chérie, tu es sûre que tout va bien ? Non, non, ça ne va pas du tout. Je venais de voir une silhouette bizarre passer derrière moi dans les toilettes. C'est pour cela que je me suis mise à crier. D'accord, tu sais, moi aussi je venais d'entendre une voix qui me disait de sortir, aussi tout de suite de cette maison. Ah ouais, c'est quand même bizarre. Je commence à réaliser que cette maison est hantée et que nous pourrions pas rester ici. Oh. Ne t'emballe pas trop vite, ma cocotte. Quelle maison hantée ? Ce n'est pas parce que nous avons eu quelques hallucinations que nous allons commencer à dire que cette maison est hantée. Jamais de la vie, je ne partirai d'ici. D'accord, mon chéri. Tu as complètement raison. En plus de cela, ça n'a pas du tout été facile pour nous de trouver cette maison. Évidemment, ma femme. Personne ne nous fera sortir d'ici. C'est moi qui te le promets. D'accord, chéri, je te fais confiance. D'accord, ma femme. Qu'est-ce que c'est bon de se réchauffer un peu à la cave. Bonsoir, jeune demoiselle. Si vous ne sortez pas de cette maison avant la fin de ce mois-ci, vous allez tous les deux devenir fous dans cette maison. C'est moi qui vous le dis. Car je suis le Jounoun qui rend fou tout le monde dans cette maison. J'ai été mandaté pour détruire la vie de plusieurs personnes dans ce monde. Waouh ! C'est incroyable. Voilà un peu ce que je disais. Je savais très bien que cette maison était hantée. Ce soir déjà, je ne dormirai même plus dans cette maison, car je n'ai pas envie de devenir folle ici. Si jamais, ils essayent de me résister, ils vont le regretter de toute leur vie. Chérie, je t'assure, crois-moi. Voilà un peu ce qui m'était arrivé tout à l'heure, quand j'étais dans la cave. Oh, arrête un peu, car moi je te crois pas du tout. Je te dis que personne ne pourra me faire sortir de cette maison. Oh mon mari, j'ai vraiment peur que tu deviennes fou. Je n'ai pas envie que cette entité te fasse du mal, chérie. Barrons-nous de cette maison immédiatement. Je ne te force pas à rester dans cette maison. Si tu veux partir, vas-y seulement. Moi je ne veux pas partir, un point c'est tout. D'accord, Florentin. Moi je serai obligée de dormir à l'hôtel ce soir. Car je ne me sens plus du tout en sécurité, dans cette maison. D'accord, ok, ça marche. Continue seulement à t'entêter et tu verras. Quand tu vas te retrouver à l'hôpital psychiatrique maintenant, tu comprendras que je ne rigolais pas du tout. Bon, je vais tranquillement me changer et me reposer un peu par la suite. J'ai fui pour ma vie. J'espère bien que rien de grave n'arrivera à mon mari. D'où sortez-vous, s'il vous plaît ? Je suis celle à qui appartient cette maison. Et vu que tu as refusé de quitter cette maison, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras fou, et tu habiteras désormais dans un hôpital psychiatrique. J'ai assez parlé maintenant. Fallait pas me contredire. Bon, à présent, c'est fini pour toi. Tu resteras désormais comme ça maintenant, jusqu'à la fin de ta vie. Waouh! C'est quoi ce rêve que je venais de faire? Je me sens très mal en même temps, je commence à avoir des maux de tête. C'est fini pour toi maintenant, mon coco. Va rejoindre maintenant mes autres patients à l'hôpital.
Voilà un peu ce qui s'était passé, docteur. Ce qui arrive à mon mari n'est pas du tout normal. Si vous pouviez m'aider à trouver une solution pour lui, cela me ferait tellement plaisir. Pas de problème, jeune femme. Je vais vraiment vous aider à trouver une solution. D'accord, merci beaucoup, docteur. Cela me ferait beaucoup plaisir. Pas de quoi, jeune femme. Vous savez, j'ai bien envie d'aller prier pour lui. D'accord, docteur, faites du mieux que vous pouvez, afin qu'il puisse sortir le plus tôt possible d'ici. D'accord, jeune femme. J'ai bien compris votre message. Accepteriez-vous que je fasse une prière pour vous? Ô Seigneur, ta parole déclare dans Marc 16 verset 18, « Vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Je déclare dans la vie de ce jeune homme, qu'il soit guéri de cette maladie mentale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui a été mandaté contre lui pour le détruire soit neutralisé, et jeté dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde-lui la guérison et que l'ennemi ne puisse jamais triompher sur lui. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je sais à présent que le Seigneur est à l'œuvre, dans votre vie, monsieur. Par sa grâce, vous retrouverez une santé de fer bientôt. Je venais de prier pour votre mari et je sais que tout ira bien pour lui dans les jours à venir. Vous aussi de votre côté, continuez à intercéder pour son âme, afin que Dieu puisse le délivrer de cette maladie mentale. D'accord, docteur, merci beaucoup pour votre soutien. Pas de quoi, jeune femme, c'est normal. Si vous voulez, je pourrais aller prier dans votre demeure, avant de rentrer à la maison ce soir. D'accord, ça sera avec grand plaisir, docteur. Comme je vous le disais, docteur, voilà ce que nous traversons depuis que nous avons aménagé dans cette maison. Sans vous mentir, je n'avais jamais vécu une chose pareille de toute ma vie. Merci vraiment d'avoir pris l'initiative de venir prier chez nous. Car notre maison est vraiment hantée par les esprits impurs. Ne vous inquiétez pas. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous ces esprits qui vous tourmentent. Je vous assure que ces esprits, qui vous tourmentent au quotidien, disparaîtront définitivement par la grâce du Seigneur. Car, rien n'est impossible à Dieu. Amen, en tout cas, j'ai hâte de voir la puissante main de Dieu en action dans notre vie. D'accord. Voici la maison, docteur, vous pouvez aller prier là-dedans, moi je vous attends ici. D'accord, jeune femme, à de suite alors. À de suite, docteur. Ô, Père Céleste, je te bénis, et je te rends grâce pour la vie de tes enfants. Mon Dieu, mon roi, dans le livre de Luc 10, verset 19, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sur cette parole, j'annule toute œuvre, des esprits maléfiques dans cette maison. Ô Seigneur, tu es la porte de la vie éternelle. Bénis cette maison et déverse sur ceux qui l'habitent une abondance de grâce. Je te prie de bénir et de sanctifier cette maison, comme tu as béni autrefois la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je demande que cette maison soit purifiée. Que la paix demeure longtemps, protège celles et ceux qui y entrent. Amis et proches. Bénis chaque fenêtre, chaque porte, chaque cloison, chaque armoire, et chaque pièce. Je purifie ce lieu de toutes les impuretés, de la négativité, et de tout ce qui ne convient pas, aux personnes qui vivent ici. Que tes anges campent autour de cette maison. Qu'elle soit environnée par ton feu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme si, j'étais dans une fournaise ardente. Why, je ne peux plus rester dans cette maison.
À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à craindre. Car, la présence de Dieu est désormais dans cette maison. Croyez-vous à cela ? Bien sûr, docteur. Je tenais sincèrement à vous remercier pour tout. De rien, madame. Rendez plutôt gloire à Dieu. Car, je ne suis qu'un canal que le Seigneur a utilisé pour vous délivrer de la main du malin. Amen, docteur. Vraiment chérie, depuis que le docteur était venu prier dans la maison, nous avons retrouvé la paix totale. Et oui mon homme. Je bénis aussi Dieu du fait que tu avais pu retrouver ta santé mentale. Et tous les esprits qui nous dérangeaient ont complètement disparu. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus jamais nous relâcher dans la prière. Tu as parfaitement raison chérie. Je bénis le nom de l'Éternel. Car sans lui on ne serait pas là aujourd'hui. Vraiment. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et exalté jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez jamais de prier avant d'aménager dans une maison ou dans un appartement. Car, vous ne connaissez pas les esprits qui œuvraient à ces endroits avant que vous n'arriviez. Prions sans cesse, en tout temps, et en tout lieu. Faisons en tout temps, par l'Esprit toutes sortes de prières, et de supplications. Prenons par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Ô Seigneur, aide-nous à doubler de vigilance et d'attention afin de ne pas tomber dans les pièges du malin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.